what love means. This is insane. You're saying things I can't explain. I know where your heart is, where you wanna be. So why do you keep testing me? Hello, hello tout le monde, c'est moi, Onuk Bey. Et oui, aujourd'hui, je suis toujours en Thaïlande. Et devinez où je suis. Je suis à Phuket. Et devinez où? À Freedom Island. Donc, c'est Freedom Beach, pardon. Freedom Beach, c'est la plage de la liberté. Elle n'est pas très loin de là où je loge, donc Patong Beach. Donc pas... Et bah là, je suis venue à Patong Beach avec un local qui s'appelle Tan, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Et il m'a ramené ici. Je suis très, 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 très content. Et franchement, il n'y a aucun touriste, limite. Il n'y a pas beaucoup de gens. Enfin, je découvre les plages de la Thaïlande avec les cocotiers, la nature, la mer bleue, le sable blanc. Il y a un peu de pollution, malheureusement. Mais franchement, je suis très très content. Et là, bah, j'ai marché dans de la merde et mon pied pue la merde. Regardez, je vais montrer ça tout de suite. Donc là, j'ai marché dans de la merde. C'est dégueulasse. Et j'ai écrit mon prénom. Pour arriver à la, au Freedom Beach, en fait, il faut faire une petite randonnée de environ 15 minutes dans la forêt. C'est génial. Et là, can I present you? Et donc là, je vous présente Seton que j'ai rencontré. Il vient de Chiang Mai et il travaille dans le digital marketing comme moi. Je vais bientôt faire un stage, ça va être génial. Et là, on va faire le Karen. On va partir au Karen Beach. C'est une autre plage qui est un peu plus loin, qui ressemble à peu près au Freedom Beach. Ah, j'en peux plus. Tout autour de nous, c'est la jungle. Et pour être pire que ça, c'est qu'il y a des moustiques qui nous piquent. Et il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air, il y a des moustiques. C'est horrible, mais ça en vaut la peine. Ah, et c'est fatigant. On est bientôt arrivé. Et après, on part au Karen Beach, je crois. Wouhou! Mais c'est magnifique. Mais je transpire de ouf. Et genre, sur moi, c'est un truc de malade, l'eau. C'est trop beau. Je trouve ça trop beau, la transpiration. MDR. Regardez-moi ça. Oh putain. Là, on vient tout juste d'arriver au Karen Beach, donc c'est une plage qui est un peu plus loin de là où je suis. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment, vraiment, vraiment personne à la plage. Le sable, oh, il y a un petit crabe. Le sable, il est jaune, blanc, c'est super beau. Malheureusement, on ne peut pas nager parce qu'il y a les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, en fait, ça signifie qu'on ne peut pas nager parce qu'il n'y a pas de maître nageur et les vagues sont beaucoup trop fortes pour nager. Après, il y en a certains qui peuvent quand même nager, mais moi, si je vais faire, je vais aussi aller nager parce que j'ai envie de profiter, quoi. Mais c'est magnifique! J'y crois pas! Les gens, je suis à Phuket en Thaïlande, mais c'est un truc de malade quand même! J'adore!
Et franchement, apparemment, il y a des meilleures plages. Il y a de meilleures plages que ça. Ça, franchement, c'est rien du tout comparé à ce qu'il va avoir dans les autres vidéos. Hein. Magnifique, ma chérie.